Un vrai petit village en miniature. À la mairie, on se marie. Le cordonnier, lui, rapièce une vieille chaussure. Chez Lionel, la pastorale des Santons de Provence a pris possession du jardin. Ici, les guirlandes ne sont là que pour mettre en évidence la dizaine de chalets. Tous les corps de métier sont représentés. La réussite est dans la précision, le détail. On est bien loin du premier élément construit il y a 8 ans. J'avais fait un chalet décoratif, et puis j'en ai fait un, j'en ai fait deux, et puis voilà, j'ai fini par faire un village. C'est une passion, ouais. J'aime bien toutes les lumières qui scintillent, donc c'est pour ça que j'ai créé la maison du Père Noël. Lionel conçoit ses chalets tout seul. 8 mois sont nécessaires pour tout construire. L'installation, elle, nécessite 2 mois. Depuis 6 ans, le jardin est ouvert au public. Et parfois, les visiteurs participent à la création des chalets. On fait la collection des miniatures de parfums. Et donc, ce monsieur-là, un jour, nous a acheté une miniature de parfum pour en dire c'est pour mettre avec mes automates. Et donc, on a pris son adresse. Et aujourd'hui, on est là pour la première fois. Et on découvre avec stupéfaction la beauté et puis ce qu'il a pu en faire. C'est vraiment superbe à voir. Ici, le temps n'est pas comme ailleurs. Il prend son temps pour que chacun puisse s'imprégner de l'ambiance de Noël.